Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Mon ordinateur est encore en train de charger des vidéos, donc il est encore en train de faire une crise d'asthme, donc je vais parler très fort pour cette vidéo pour éviter que vous entendiez le très agaçant de la journée. Et un update lecture avec toujours notre cher Terry et d'autres littératures de fantasy, que ça soit de la fantasy étrangère ou française, et on commence ça tout de suite. Commençons par ce qui doit être commencé, je vous parle donc encore de Terry Pratchett, donc les tribulations d'un mage en Orient. Donc là on est sur le cycle de Rincevent, le cycle des mages, et on retrouve notre cher Rincevent suite à ses grandes aventures dans les tomes précédents. Il va, à cause de sa poisse, être rappelé de là où il était pépère, vraiment il était bien, pour une mission, et la mission c'est qu'il va être envoyé à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'il va aller dans un pays très proche de l'Asie, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit livre rouge qui a été publié dans ce pays-là, et ça a foutu un petit peu des dégâts, et donc Rincevent va être envoyé avec notre cher Cohen le barbare, qui est un de mes personnages préférés, on va dire, de ceci, accompagné d'une horde de 8 ou 9 barbares dans sa quête d'apprentis barbares, parfois surtout des vieux de la vieille. Et donc c'est un livre qui va, par ce biais là, traité en fait de l'Asie, notamment de la Chine, du Japon et de tous ces pays là, un peu un mélange. Et donc moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de références à l'Asie en général. Alors déjà quand tu vois qu'il y a le petit livre rouge qui est cité, qui cause des dégâts, bref voilà, on a tout plein de références à l'époque Mao, à ce qui se passe en termes, comment formuler ça, mais en termes de politique, voilà, qui est un petit peu complexe. Alors il y a plein de sous-entendus culturels qui sont assez drôles et assez réinterprétés sans être bien sûr insultants, c'est pas du tout le but. Là on est vraiment sur de l'hommage et sur de la parodie en fait de ce qui se passe, avec vraiment, ça va dans les détails sur les noms, sur la manière dont c'est prononcé par certains personnages parfois. S'il y a un truc qui est quand même exceptionnel dans le livre, c'est que comme on retrouve Cohen a un but, ils veulent faire un casse, ils veulent récupérer des sous, de la maille, et donc ils vont avec 8 autres salopards rentrer dans cette grande muraille, voilà, chercher un peu le butin. Donc on a une référence à ce célèbre film, voilà, par ça, et c'est très très drôle parce qu'il faut imaginer des vieux de la vieille, des vieux croutons dont certains se décident d'être barbares, parce que barbare c'est un peu un métier dans ce monde là, comme ça, et vraiment ça devient drôle, et en même temps il y a des moments c'est assez poignant et triste parce qu'il y a beaucoup de personnages différents et ils ont tous une vision de la barbarie différente. Et Cohen franchement est un personnage que j'adore dans le livre, il est trop drôle, et là il est en forme, et Rincevent, comme tu peux le voir sur la couverture, lui il est en mode mais qu'est-ce que je fous là exactement, parce que Rincevent il n'est pas connu pour ses pouvoirs, voilà. Mais on retrouve énormément de références. Mais moi, ce que j'ai préféré dans le livre, c'est vraiment tous les passages avec Cohen sur le coup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu une référence, alors, aux échecs d'une certaine manière, mais en fait le récit part d'un pari en fait, des puissants et des dieux même, et c'est assez intéressant en fait la manière dont est amené le récit, et voilà, ça c'est assez drôle de voir en fait deux cultures qui sont en opposé, voilà, des cultures qui sont exposées avec bien sûr un peu un côté parodique pastiche qui est très sympa du film de genre, et surtout aussi de la culture, voilà, sur plein de points, tout en étant, je trouve, assez respectueux et en mettant en avant en fait les principes de cette culture. Et donc voilà, juste pour vous dire, le nom du petit livre rouge là, c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances, mais bon voilà, vous voyez bien que c'est cynique et parodique, mais voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé retrouver Rincevent, même si c'est pas cycle que je préfère, pour celui-ci m'a fait bien rire, notamment avec tous les barbares, et m'a ému sur la fin, et pour le coup il y avait un côté palpitant, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation où il se retrouve à 8-9 pauvres cinglés face à une armée, quoi, donc j'étais en mode, qu'est-ce qui va se passer là, mais voilà, ça se résout toujours par des imbroglios et des choses un peu surréalistes, mais c'est toujours assez, ce qui fait le charme, voilà, de la fantaisie humoristique, mais c'était vraiment cool, donc voilà, je vous conseille Pratchett de toute façon, mais pour le coup celui-ci était sympa. Et il y a un truc, alors dans celui-ci, comme on est avec des barbares, il y a beaucoup de références aux agressions sexuelles que les barbares font sur les femmes, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui arrête pas de le répéter, du genre oui, et on va faire ça de manière humoristique, et je pensais pas qu'on pouvait le tourner de manière humoristique, parce que la première fois je me suis dit ah c'est bizarre que Pratchett mette ça en avant, et en fait après tu vois que c'est complètement une dénonciation, et qu'en fait les barbares ils en ont rien à faire, c'est pas du tout
l'objectif et qu'il y a même des barbares qui l'ont dit, mais mec, calme-toi, quoi. Puis en plus, ça montre un barbare totalement cinglé et con dans l'histoire. Donc voilà, j'avais fait une petite encoche, mais on a cette dénonciation en fait du barbare et même du mythe du barbare, voilà, dans le texte, qui est plutôt sympa. Passe à un autre auteur qui est très très connu avec un spin-off. Je vous parle donc du spin-off de Paul Gara, de David et Leigh Sedding, donc chez Pocket, qui m'ont envoyé. Et donc ce spin-off, je vais déjà répéter la chose, je l'ai dit en book haul, mais pour les gens qui n'ont pas vu le book haul, je tiens à le dire parce qu'il y a des gens que ça gêne quand ils achètent des livres, et voilà, moi je le dis l'information, vous en faites ce que vous voulez. Lace et David Eddings, il y a des affaires qui sont ressorties récemment, et il y a très peu de choses qui ont été publiées en France, je crois même pas que les articles soient en français, mais ils ont fait de la prison pour avoir maltraité un enfant qu'ils avaient pris en adoption, et maltraité, quand je vous dis maltraité, c'est la grosse maltraitance. Donc David Eddings a dit qu'il était parti de l'université parce qu'il en avait marre. Non, c'est l'université qui l'a viré parce que bah il avait agressé un enfant, quoi, de manière physique et très violente. Donc voilà, je tiens à le dire, dans ce texte là il y a pas de référence à ça, mais à ce que j'ai lu dans ces articles, il y a d'autres textes de David Eddings qui, notamment une scène, est assez perturbante quand on sait ce qu'étaient ces personnes là L'avantage de ces éditions, c'est qu'ils ont remis le nom de Leigh Sedding. Vous savez, sa femme a totalement été effacée, même s'ils l'ont pas mis dans La Belle Gariade, donc qui est son texte le plus connu avec La Malorée. Mais au moins, on a voilà, une chose positive, sachant que Leigh Sedding, d'après ce que j'ai pu lire, elle a été, on va dire, celle qui a travaillé beaucoup sur les personnages féminins. Alors, je pars du principe que les persos féminins sont pas très très féministes, et voilà, pour le coup, ils sont pas ouf. Paul Gara est celle qui sauve un peu les meubles, même si, voilà, j'en parlerai peut-être après, mais c'est pas non plus un symbole de liberté féminine. Après, Gara, c'était pour moi le personnage que je préférais de La Belle Gariade. C'est vraiment un des points positifs. J'étais très intéressée par son histoire, parce qu'il faut savoir que dans La Belle Gariade, on apprend très très vite que Paul Gara a un lien avec notamment le grand méchant de l'histoire, qu'il y a quelque chose qu'elle a fait il y a quelques années, qui a eu une incidence sur ce monde. Et donc, dans ce spin-off, il y avait déjà celui de son père, Bel Garat, dans le récit, qui nous expliquait toute sa vie. Et là, le récit est fait pour être complété, et même l'auteur joue sur le fait que bah il manque plein de choses, que le papy s'est trompé sur plein de choses, bref, voilà. C'est quand même une bonne bricasse, parce qu'il y a bien, il fait 1000 pages en fait en poche à peu près, pour le coup, et là on balaye vraiment de sa jeunesse jusqu'à toute son évolution, et avec des choses qui sont totalement inédites, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé en tant qu'appréciatrice du personnage, et c'est un livre qu'il faut lire après avoir lu La Belle Gariade et tout, pour apprécier, voilà, le texte. Mais pour le coup, on suit donc Paul Gara, qui a une enfance assez difficile. On l'avait par les yeux de son père, et le fait qu'on l'a par ses yeux à elle, c'est hyper intéressant, parce qu'elle a eu une vie tragique sur tout le long terme. C'est hyper cool, parce qu'elle est hyper sauvage au début, c'est quand même, elle casse un peu le cliché féminin que représente sa sœur par le mariage et tout. Donc Paul Gara, en fait, elle a une vie éternelle, et dans cette vie éternelle, elle va avoir vraiment beaucoup de pouvoir, et on va voir en fait que le personnage se perd dans ce pouvoir presque à un moment, qu'elle fait des erreurs, qu'elle n'est pas infaillible, et ça c'est hyper cool à suivre. On a plein d'interventions, alors autant Bel Garat se parlait à Garion dans le premier tome, là elle parle à la femme de Garion dans ce tome-ci, en lui expliquant en fait toute sa vie, ses choix, et pourquoi elle en est là aujourd'hui. Et en fait j'ai beaucoup aimé, parce que pour ce coup, celui-ci parle beaucoup de géopolitique. Bel Garat c'était plus sur les dieux et sur la cosmogonie du monde, là on est plus sur la géopolitique, sur les autres territoires. On souffre quand elle souffre, voilà, c'est assez, moi j'ai vraiment beaucoup aimé là-dessus, et on n'a qu'une hâte en fait, c'est de savoir ce qui va se passer dans les éléments qu'on sait dans La Malorée et tout, et voilà, donc c'était assez palpitant au niveau, le personnage est agréable à suivre, la politique est super à suivre, parce que là on a d'autres territoires, moi je m'attendais pas à ce que Paul Gara ait eu tant de choses en fait à vivre, voilà, pour le coup le personnage est vachement exploité. Donc ça c'est des points que j'ai beaucoup aimé dans le récit, notamment parce qu'on rencontre énormément de personnages qui sont hyper attachants. Revoir sa sœur, revoir en fait les héritiers. Paul Gara va suivre en fait tous les héritiers de sa sœur pendant des siècles et des siècles jusqu'à l'élu. Et en fait ça parle aussi du fait de voir en fait sa famille disparaître, l'immortalité et en fait du piège de l'immortalité. C'est assez triste, et en même temps elle a une mission, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que... elle est vraiment avec son père chien et chat, quoi. C'est pour le coup c'est pas un truc du genre ils s'adorent et tout, et ça c'est hyper cool. Et voilà, moi j'ai adoré la fin, de savoir comment elle s'est retrouvée dans cette chaumière où elle a élevé Garion, qu'on voit juste au début de La Malorée en fait. On reprend l'histoire à l'envers en fait, c'est ça qui est hyper cool. Tu connais la fin, mais tu sais pas comment on est arrivé là. Et donc ça c'est, voilà, en tant que grande appréciatrice du personnage, c'est cool. On a beaucoup de références à la magie, au pouvoir.
Donc ça, c'est hyper cool. Simplement, c'est vrai que Paul Garage m'en était fait une image de femme très forte et tout. Et c'est vrai que dans le récit, ils se sont sentis l'obligation qu'elle doit se poser la question de rencontrer l'amour et ce genre de... Bon, voilà, c'est un peu cliché. J'aurais préféré avoir un personnage qui sort un peu plus des cases là-dessus. Mais pour le coup, elle en tire des leçons et voilà. Bon, après, c'est toujours la sorcière magnifique, puissante, intelligente. C'est un peu un cliché de la femme parfaite, en fait, parce qu'elle est... presque parfaite, elle est parfaite en fait dans le texte, je vois pas, elle a quelques petits défauts mais on peut pas considérer ça comme des défauts on va dire, de vouloir sauver son peuple, je sais pas si c'est un défaut, je ne crois pas, mais voilà, elle est assez, elle dit ce qu'elle pense, elle est très intelligente, bref, donc ça a été, j'aurais préféré avoir plus de nuances sur le personnage, et ce que je dois dire que c'est un texte qui est très long, c'est-à-dire que vraiment, autant la fin, et on a envie de savoir, mais il y a des périodes où t'es un peu moins, moi j'ai été quand même un peu moins intéressée, ça a moins d'incidence et c'est très répétitif parce que l'auteur se sent l'obligation d'expliquer tous les héritiers en fait qu'elle a suivi, donc il y en a beaucoup et il y a des moments en fait il aurait fallu avoir plus d'ellipses temporelles, quitte à axer plus je trouve sur des moments importants, mais voilà, donc il y a aussi un peu de répétition, mais ça c'est normal parce qu'on a les deux mêmes points de vue sur des situations données, donc voilà, je tiens à dire que c'était une bonne lecture, voilà, qui répond aussi, alors attends, ça a été écrit dans les années 90 ça, je pense hein. Ouais, c'est sorti en 97, mais La Belle Gariade, c'est sorti dans les années 90. Donc il faut aussi replacer dans le contexte de la vision de la femme dans les années 90, parce que même si les années 90, c'est là où je suis née, on en a fait un petit peu du chemin entre les deux, quoi. Pour certains, ça a été beaucoup de chemin. Donc voilà, c'est à lire si vous êtes fan de La Belle Gariade. Si vous aimez le personnage de Paul Garage, je pense que vous allez trouver ce que vous voulez. Sachant que là, c'est quand même deux bricasques, ça prend son temps, c'est très explicatif. C'est quand même un peu, je pense, fait pour les gens qui ont apprécié l'univers. Voilà, pour les fans, mais moi je l'ai préféré au spin-off de Belle Gariade parce que je préfère le personnage. Ensuite, je vous présente un livre que Brajeune m'a envoyé. En fait, je vous présente là mes deux services presse parce qu'il faut bien les présenter. Et je vous présente un troisième tome qui est l'achèvement d'une série. Et donc, je vais vous en parler, puis je vais parler un peu de la globalité de ce que je pense de la série parce que pour le coup, cette série est pas très très connue. Et je sais pas si j'aurai assez de contenu pour en parler parce que autant j'avais adoré, mais quand je vous ai dit le tome 1 avait un coup de cœur, autant la suite je la trouve assez moyenne. Voilà. Donc je vous parle de La Croisade éternelle de Victor Fleury. Alors La Croisade éternelle, c'est un livre que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur le tome 1 parce que c'est une mythologie qui est très originale, qui est un peu inspirée, moi je trouve, du désert, des... J'allais pas dire de l'Égypte et tout ça, mais un peu de la Mésopotamie. Vous savez, moi j'avais très beaucoup cette image-là de ces cultures très anciennes. Et donc on suit le personnage de Nisaba. Nisaba, elle est un peu particulière dans son monde. Alors, pour vous placer l'histoire, parce que sinon vous allez dire « je comprends rien ». Donc Nisaba, elle est une oblate. Oui, c'est oblate, je crois qu'il s'appelle ça dans le texte. En clair, les structures dirigeantes ont le droit d'avoir des oblates. C'est un petit peu difficile à expliquer comme concept. En réponse notamment au sens, ils vont avoir des autres humains qui sont liés par un espèce de serment, lié un peu par une sorte de magie. Par exemple, Nisaba, elle partageait en fait les sensations, il me semble, du personnage, le toucher. Et donc dès que son prince, qui était son amant quand elle était plus jeune, avait des relations avec d'autres femmes, elle le sentait, voilà, tout ce qui passait par le corps, il le sentait, donc c'est un espèce d'esclavage horrible, parce que ça se passe sur plein de choses, il y en a, il volait son apparence, bref, c'est assez horrible comme situation, et il y a plusieurs pouvoirs dirigeants qui essayent d'accaparer le trône, et Nisaba, en fait, le seul point d'intérêt qu'elle a dans ce monde, c'est qu'on lui a retiré son fils, des années auparavant, et elle veut retrouver son fils, et on n'arrête pas de lui dire que si elle accompagne le prince pour cette dernière, on va dire, croisade, elle va pouvoir récupérer son fils, qu'elle n'a pas eu avec lui, mais qu'elle a eu lors d'une agression d'une certaine créature. Il y a une certaine créature qui l'a agressée plus jeune, et elle a eu un enfant très particulier qui lui a été volé. Il y a tout un système de magie qui est hyper original, que j'avais beaucoup aimé dans le texte, et on va la suivre. Je vais pas vous parler en termes d'histoire de la suite, voilà, moi c'était un tome 1 que j'avais adoré. Le tome 2, j'avais trouvé what the fuck, voilà, y a le tome 2 part dans des trucs alors hyper original. Alors pour le coup, niveau originalité, c'est très différent de ce qu'on peut lire, mais c'est très what the fuck, ça va dans des mythologies, dans des rebondissements, la fin du tome 2, tu te dis mais mon dieu. Et donc suite à cette fin du tome 2, Nisaba est au fond du trou, et on lui a effacé la mémoire pour éviter de, pour oublier en fait tout ce qui s'est passé à la fin du tome 2, et elle va donc...
se réveiller, je crois que c'est 18 ans plus tard, sans souvenir qu'elle a demandé d'être vidée de ses souvenirs, et elle va essayer de savoir ce qui se passe, et notamment, il y a toute une quête dont je ne peux pas vous parler parce que sinon c'est du spoil, mais elle va vite se rendre compte qu'on lui a caché pas mal de choses. Et donc il y a cette quête qui va l'emmener dans d'autres territoires, voilà, qui va l'amener à retrouver un peu la Nisaba qu'elle était, parce que c'est un personnage qui est très violent, et qui pour le coup n'hésite pas à écraser ses ennemis et ses amis pour pouvoir avancer. Et donc dans celui-ci, c'est vrai que en termes de points positifs, il y a eu un peu de fanservice pour moi, dans le sens que j'étais hyper contente de revoir des enfants de certains personnages, de revoir des personnages qui m'ont touché dans les précédents tomes, et de les retrouver dans une situation totalement unique, c'est-à-dire 18 ans après, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a des personnages, je suis assez surprise par ok, il y a ça qui s'est passé. En même temps, on n'a pas toujours les réponses, alors c'est assez frustrant dans le texte, mais il y a de l'originalité qui se poursuit en termes de mythologie, en termes d'évolution du récit. Ce texte parle aussi du coût de nos actions, même si on fait des actions qui pour nous sont quelque chose de très positif, c'est pas le coup, voilà, il y a Freya qui est là, tu me griffes les jambes mon cœur. Mais pour le coup, chaque action a un coût, et celui-ci, il y a vraiment une moralité qui était vraiment pas trop présente dans le tome 2. On a tout un bestiaire alors qui est intéressant, mais pour le coup je trouve que c'est assez frustrant, parce que pour le coup celui-ci je l'ai trouvé hyper précipité. Il y a plein de questions sur lesquelles j'ai pas eu mes réponses. Et en même temps, j'ai pas du tout... Autant le tome 1, j'avais trouvé qu'il y avait un super bon départ, et je trouve que ça a pas été exploité. Alors, soit de la manière que je le voulais, mais je trouve que, voilà, c'est dommage d'avoir eu un si bon départ et d'accoucher à la suite de ça. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est loin d'être de la qualité du tome 1. La fin est plutôt sympathique, du genre j'ai bien aimé comment la fin était articulée. Voilà, moi j'aime bien ce genre de fin qui sont pas évidentes et qui sont pas forcément des happy endings pour tout le monde. Mais pour le coup, je trouve que l'histoire, et c'est pas que c'est pas logique, mais ça va dans des sens, ça va dans d'autres. Et en fait, par rapport où on est parti, tu te dis que, ok, d'accord, on est arrivé là. En même temps, c'est Nisaba le personnage principal, mais au niveau géopolitique, au niveau mythologique, au niveau voilà, des démons et tout, j'aurais voulu que ça soit plus exploité, mais ça c'est mes goûts personnels en termes de worldbuilding. C'est une série qui a été un coup de cœur au début, qui s'est transformée en une sorte de déception, parce que l'exploitation de l'univers, c'est pas ce que j'attendais, et le problème c'est que celui-ci, je peux pas vous en parler sans avoir énormément de spoils, sachant que le roman est vraiment basé sur est-ce que tu vas comprendre qui sont ces personnages, est-ce que tu vas comprendre... Alors il y a des moments, c'est assez évident, hein, va pas falloir être Sherlock pour comprendre, mais ouais, c'est... Je pense que c'est parce que ça n'allait pas du tout dans le sens que je voulais, et que je trouve que par rapport au tome 1, qui avait vraiment un univers super riche, une ambiance, en fait, là, je trouve qu'on s'est perdu, en fait, dans le... Ça change trop souvent de ton, de renversement, et voilà. Donc même le personnage de Nisaba, que j'aimais beaucoup dans le tome 1 et un petit peu dans le tome 2, là, je l'ai trouvé presque... pas insupportable, mais j'avais même plus d'intérêt pour elle en fait particulier. Voilà, je lisais l'histoire pour savoir comment ça se finissait, mais j'ai pas été convaincue en fait par ce troisième tome, et ni en fait par le deuxième. C'est totalement en fait, ça découle en fait du deuxième tome. Et voilà, à part la toute fin que j'ai trouvé assez cool, certains éléments de retrouvailles, certains éléments originaux, et puis bon, on réinterprète un peu des mythes, voilà, on peut faire des liens avec des mythes existants. C'est dommage, voilà, moi j'avais beaucoup apprécié le tome 1 et je vous conseille déjà cette série juste pour le tome 1, mais je pense que ça peut plaire à des gens qui apprécient quand il y a beaucoup de bouleversements tout le temps, qui n'ont pas besoin d'un world building hyper creusé, voilà, qui est juste une histoire comme ça avec beaucoup d'action, ça change souvent, ça peut plaire. Faut dire que le début m'a beaucoup plu, et toute la partie en fait qui correspond un peu à la, sans spoiler, mais... aux épreuves de Nisaba, ça a été super cool, ça, en plus ça m'a vraiment créé beaucoup d'émotions de retrouver ces personnages-là, voilà, ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que je pense que ça aurait pu être mieux exploité. Donc je sais même pas quoi en penser de ce roman, vraiment, pour tout vous dire, vous voyez la chronique est un peu balège là, parce que je l'ai lu et je savais même pas quoi en dire, voilà, parce que je pense que j'ai pas grand-chose à dire de ce livre, parce qu'il m'a pas laissé une trace indélébile, seulement le fait que j'étais contente de retrouver les personnages, que ça m'a émue à certains moments, mais qu'en fait ça n'était pas exploité. Donc voilà, je savais pas du tout comment vous parler de La Croisade Éternelle, parce que c'est un peu comme Anthony Ryan, je les compare, parce que j'avais adoré les tomes 1, et en fait la suite, là je suis en train de lire en fait le troisième tome de Blood Song, et...
Et alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait un super début, voilà, qui ont été des coups de cœur, et que après, je sais pas ce qui se passe dans, voilà, dans l'évolution, ça ne va pas pour moi, l'univers, vers quoi ça va. Un, il n'y a pas la richesse, la qualité du premier tome, donc voilà. J'espère que Victor Fleury ne m'en voudra pas, c'est un auteur français, je dis, mais voilà. C'est comme ça, je peux pas cacher mon avis non plus. Mais l'univers est super original, donc je vous le conseille si vous avez envie de découvrir un peu de l'originalité. Voilà, et là pour le coup, il y a ce qu'il faut. Et Misaba est un personnage très neutre, voilà, en termes de moralité. Donc ça, c'est, je le place à la hauteur du tome 2, quoi. Donc la série est une série à découvrir, mais c'est pas non plus oufissime. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, notamment si vous avez lu La Croisade éternelle pour me donner un peu votre avis, parce que je connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu, voilà, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, voir si c'est moi qui avais trop d'attentes, qui a eu tellement un amour pour ce tome 1 qui était aveuglé par la suite, ou si vous, effectivement, vous êtes un peu du même avis ou vous avez pas aimé, voilà, j'aimerais bien le savoir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.